Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ObjectiveMoto.com pour un nouvel essai. Alors oui, je sais, on est en intérieur, c'est toujours l'éternel débat. Est-ce que je vous présente de l'équipement en extérieur lors des essais ou à l'intérieur? Eh bien, je dirais tout dépend un petit peu de beaucoup de choses en fait, puisque tout dépend où je m'arrête pour pouvoir prendre les photos et les vidéos. Si c'est un endroit très bruyant, s'il y a beaucoup de passages, beaucoup de voitures, beaucoup de motards, parce que parfois les motos ben forcément invitent les gens à venir demander des avis sur la moto. Ça m'arrive assez souvent aussi, ou simplement en fonction de la météo. Ici on est début juin, et ben début juin je devrais être maintenant dehors au guidon d'une CF Moto 700 CLX. Et ben si vous avez regardé la météo, samedi ça allait encore, par contre le dimanche c'est la cata. Donc ben voilà, me revoici donc en intérieur pour vous présenter ce pantalon. Vous l'aviez vu lors de l'unboxing d'Afi. Nous viendrons de d'Afi Belgique. Je vous rassure, vous pouvez le trouver aussi en France. Il s'agit donc de la marque Old One, c'est la marque propre à d'Afi. Et il s'agit du Cargo Tapert. Attention, siglé Dakar. Donc c'est une licence officielle entre d'Afi et Dakar. D'ailleurs, vous avez le petit logo ici à l'avant. On verra, il y en a également un à l'arrière. Donc, version cargo, ben forcément avec les poches sur les cuisses. Ici, qui se ferme des deux côtés avec des velcro. En plus des poches traditionnelles. Ici aussi, rien de spécial. Un zip et un bouton à l'avant. Un pantalon en coton élastifié, avec des renforts en Kevlar Dupont aux endroits stratégiques, justement pour éviter de se blesser en cas de chute. Attention toutefois que le pantalon ici est certifié sécurité A, enfin niveau A, en sachant qu'il existe A, AA et triple A. Donc forcément, la protection n'est pas la même que sur un triple A, donc on dirait plutôt utilisation urbaine ou ben évidemment à vos risques et périls. Ceci dit, ça ne m'a pas empêché d'utiliser sur la BMW S1000R. Si vous n'aviez pas encore vu l'essai, il est déjà en ligne. Donc un pantalon, comme je vous le disais, en coton élastifié avec les protections CE qui sont très très souples. Vous voyez, ça ne se voit même pas. Protection aux genoux. D'Afi vous offre également les protections pour la hanche, avec des poches qui sont simplement ici à l'intérieur. Il suffit de les glisser dedans. Petite astuce aussi, sur le bas du pantalon, eh bien, vous avez ceci que vous pouvez passer autour de la chaussure. Ça évitera justement au pantalon de remonter pendant qu'on roule. Maintenant, pour ceux qui ne le veulent pas, il suffit ici de défaire les pressions et vous pouvez les enlever. Je vous montre aussi l'arrière de ce pantalon. Ici aussi, rien de très spécial. Un double passant ici, ben, pour être bien certain de faire tenir la ceinture. Et encore deux poches ici qui se ferment par velcro. Et comme je vous le disais, encore une fois ici, le logo Dakar, produit officiel. Un pantalon assez léger. Très, très souple, confortable. Ce n'est pas un pantalon étanche. Je vous assure, j'ai essayé. Bon, il n'a pas fallu très très longtemps pour être mouillé à l'intérieur. Mais en tout cas, très confortable, qu'on peut utiliser vraiment aussi quand il fait chaud. Même si vous voyez comme ça, il n'y a pas d'aération. Mais ça laisse suffisamment passer l'air pour dire de pouvoir rouler quand il fait chaud. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais pris sur la BMW. Un pantalon, donc le Dakar Cargo Tapper de la marque All One, on va y arriver, donc distribué par d'Afi Belgique et d'Afi France aussi, pour un prix de 123,49, donc moins de 125 euros à l'heure où je vous parle. C'est pas pour moi faire mon shopping, enfin ou mon télé-shopping, mais je trouve que ça vaut franchement la peine d'au moins avoir une protection comme pantalon. Et puis franchement, une fois descendu de la moto, on n'a vraiment pas l'impression de justement d'avoir un équipement
pour rouler à moto. Voilà, vous retrouverez bien entendu toutes les photos et l'article écrit cette fois-ci sur notre site www.objectif-moto.com. Les amis, à très bientôt pour de nouveaux essais.